Coucou les artistes, alors aujourd'hui je viens vous présenter un test du Foil Active Pen de chez Action avec le Foil Kill de chez We Are Memory Keepers. Donc moi j'avais acheté ces couleurs là sur Craftelier à 4,99€, elles étaient en solde. Hein. Après aujourd'hui je ne sais pas quel est le prix pratiqué sachant que Craftelier fête ses 4 ans d'anniversaire. Donc cette pochette là c'est bien des foils pour le Foil Kill, donc le stylo chauffant de chez We Are Memory Keeper. Mais nous on va l'essayer avec le Foil Active Pen de chez Action. Alors tout d'abord je vais l'essayer avec son foil d'origine pour voir si mon stylo est assez chaud. Une fois que l'empreinte est faite, j'y ai mis mon doigt, donc oui c'est chaud. Ah, ça m'a surpris. Hop, normalement ça marque. Donc j'ai une carte en relief dessous. Hop. Marque, sauf que du coup j'ai pas fait les choses bien. Alors comme le câble il est assez petit, c'est assez chiant. Voilà, donc ça marche bien, donc il est bien assez chaud. On va pouvoir enlever tout ça. Donc là, c'est un brouillon. Hein. La prochaine fois, il faudra couper ça beaucoup plus. Faire les choses de façon. Enfin, quand ce sera l'heure de faire votre projet, vous le ferez de manière plus pointilleuse. Donc là, c'est le foil bleu. Là, c'est celui de We Are Memory Keepers. Donc, je vais écrire. Et on va voir si ça marque. Et bien c'est top, c'est top, donc ça fonctionne. Donc je le redis hein, les foils qu'on avait avant reçus chez Action en même temps que l'appareil a foilé. Chez We Are Memory Keepers, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, voilà, j'ai un trou de mémoire, tout à l'heure j'avais le mot en bouche, là je ne l'ai plus. Et bien ce foil là, il était bien pour, avec les encres tonnerres, avec les petites cartes qu'on avait dans le kit. Mais ce n'est pas un foil qui est compatible avec les stylos chauffants. Donc voilà, je le redis. C'est pour ça que moi, j'ai commandé pas le foil normal. Donc le foil pour... ça va me revenir. Mais pour vous savez, la machine chauffante comme la plastifieuse. Mais il faut bien commander le foil killer. Chez Craft & Co, donc la marque que fournit Action, vous avez le site Craft & Co sur internet, vous pouvez aussi commander le foil. Donc là c'est pareil, vous faites bien attention, il y a le foil active, it active, et le foil it active pen. Donc il faut bien prendre celui où est noté pen pour le stylo. Puisque déjà moi j'avais comparé. J'avais passé un bout de ce foil qui était livré avec le foil Active Pen. Je l'ai passé avec l'encre tonnerre donc, que j'ai en stylo. Je l'ai passé dans la machine et ça ne fonctionnait pas. Idem, j'ai pris le foil qui est dans la machine à foil. Je l'ai passé avec le stylo, ça ne fonctionnait pas.
Donc c'est deux choses différentes. Elles vont réagir de manière différente à la chaleur. Celle-ci, elle va réagir avec la chaleur du fer, hein, du bout de stylo, alors que l'autre foil, il a besoin d'une encre pour réagir. L'encre tonnerre. Donc voilà, je réinsiste un tout petit peu parce qu'il y en a qui pensaient s'être fait avoir, mais non, pas du tout. C'est que c'est deux choses différentes. Ça y ressemble beaucoup, mais moi, au niveau de la texture, on voit bien que celui-là, il est beaucoup plus fin. Donc, sur du blanc, ça, c'est le foil d'origine. Des petits motifs sur le petit cadre que j'avais prédécoupé. Et on va essayer du bleu. Hop. Donc après mon stylo, je le tire beaucoup parce que voilà, j'ai débranché, ça va être plus simple. La prise en main, elle sera plus mieux. Voilà. Donc sur du blanc, ça marche aussi bien, ça marque aussi bien. Donc sur du noir et sur du blanc. Sur du craft, je vais faire dans un coin puisque c'est un papier que j'aimerais utiliser. Donc j'ai débranché, j'espère que ça se refroidit pas aussi vite. Si ça serait dé ça se dès que vous débranchez, en fait il perd de la chaleur. Bon, ben, j'ai débranché pour pouvoir avoir une meilleure prise en main, mais je pense qu'il va falloir que je rajoute une rallonge quand je l'utilise puisque le fil est quand même assez court et puis ma prise elle est un peu plus loin. Donc je regarde, oui c'est ça, il n'y a plus de frais. J'ai débranché et vous voyez ça marche plus. Donc voilà, mais on peut voir sur le craft avec le foil d'origine, donc le foil doré, hop là, que ça marche. Donc test réussi en tout cas pour moi. Donc j'ai pas fait un flop en commandant le foil Kiehl de chez We Army Mori Keepers. Donc moi dans ce kit là, il y a donc ils disent des feuilles d'aluminium thermique. Il y a 4 fois 6 inches, donc ok. Il y a 30 pièces et il y a 5 couleurs. Donc, si on fait 30 divisé par 5, ça fait... Allô? J'entends plus personne. Ça fait 6, donc ça fait 6 papiers de chaque. Donc 6 papiers de chaque couleur. Puisque 5 fois 6... Voilà, donc j'ai de quoi faire. J'ai pris ces couleurs parce qu'elles me correspondent. Elles sont les couleurs du paon, couleur voilà, peacock, comme ils le disent en anglais. Ah ben voilà, en plus c'est écrit peacock et dessous c'est écrit paon. Voilà, puisque j'adore le vert, le violet, le bleu. J'ai mon bébé qui va bientôt arriver, donc j'ai en tête, en fait, c'est pour ça que j'avais sorti le bleu, de pouvoir faire des petits, les préparer, commencer à préparer les faire part de naissance. Donc j'avais besoin de sortir le foil bleu. Donc voilà, je suis très contente de cet achat de foil Kiehl. Donc je sais maintenant que je vais pouvoir commander d'autres couleurs chez We Are Memory Keepers pour le foil Kiehl. Puisque ça marche du tonnerre. Et je ne suis pas mécontente d'avoir acheté le Foil Active Pen de Craft & Co. chez Action à un prix dérisoire, il me semble. Je ne sais plus quel prix, mais c'était dérisoire. Donc si vous l'avez encore dans votre Action, n'hésitez pas à le prendre. Après, vous pouvez vous procurer du Foil Kiehl sur les sites de scrap. Vous pouvez aussi aller sur le site de Craft & Co. commander du foil Kiehl, mais là je ne pourrais pas vous dire à combien sont les frais de livraison, mais vous ferez surtout attention
à quel type de foil vous commandez. Donc on a bien dit, il y a le foil pour la machine qui chauffe et il y a le foil pour le stylo. Bisous tout le monde, à bientôt les artistes.